Il est 20h, les titres de l'actualité de ce jeudi 30 mars 2023. La colline inspirée est en passe de devenir une colline damée si rien n'est fait pour la préserver contre les érosions. Le tronçon entre l'église universitaire et le CNPP sera ravagé aux prochaines pluies. Et c'est sur ces panneaux que l'attend le plus. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a envoyé un message fort au Rwanda et ses soupçons de M23. Vous l'entendrez dans ce journal. Le peuple des pays membres de la Conférence nationale internationale pour la région des Grands Lacs CIRGL, à travers leurs représentants, participe à la 13e session ordinaire du Forum des parlementaires de la CIRGL. La RDC y prend part active et les questions sécuritaires dominent le débat. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Dame, la pluie n'arrête pas de créer le dégât dans la ville de Kinshasa. Chaque précipitation, la capitale de la RDC prend un autre visage. Les inondations, les érosions et d'autres catastrophes. L'exemple le plus palpable, c'est la route Kimwenza sur le tronçon compris entre le CNPP et les cliniques universitaires. Une érosion avale les maisons d'habitation et une grande partie de la chaussée. Cette situation alarmante plonge la population de ce coin de la capitale dans une incertitude de lendemain, car l'accès devient quasi impossible. Monique Mavungu, reportage. Des maisons emportées, les trafics perturbés et les pertes matérielles énormes enregistrées. Tels sont les dégâts de l'érosion créée par la pression des eaux de la pluie qui s'est abattue le dimanche dernier sur Kinshasa. Cette catastrophe a été causée par le ruissellement des eaux de pluie, cherchant une voie de sortie. C'est vraiment déplorable ce qui s'est passé ici. Il y a une entreprise qui est en train de construire les murs pour l'université. Alors, ils ont commis une grosse erreur d'entreposer leur matériel dans les caniveaux. Alors, quand la pluie a commencé, c'est devenu maintenant l'obstacle. Il fallait que la pluie cherche la voie à s'en sortir. Les conséquences, ça a causé tout ça. Alors nous, on a perdu à peu près 30 à 40 mètres de nos câbles. On a perdu 4 poteaux, 2 poteaux MT qui étaient cloués dans l'érosion. Et puis les poteaux BT, c'est un nouvel FEDER qu'on a mis en service. Les quartiers qui avaient éclairé depuis un mois, présentement, ils sont revenus dans les noirs en attendant que les choses reviennent à normal. La population déplore cette façon de faire des travailleurs du Congo futur et demande leur indemnisation. D'habitude, les eaux des pluies passent par les caniveaux. Quand l'eau était débordée, elle a causé beaucoup de dégâts, des dégâts énormes. Je suis une veuve, je ne sais où aller, car la maison est emportée avec tous les biens. L'Office des voiries et drainages, en collaboration avec l'entreprise Congo Futur, sont à pied d'œuvre pour exécuter les travaux pouvant arrêter la progression de cette érosion. Une réunion de sécurité a eu lieu ce jeudi à la primature. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalokonde, a réuni tous les acteurs clés du secteur de sécurité. Patrice Ndouango, Marcel Mobenga et Julien Piana. Une réunion de sécurité ce jeudi 30 mars à la primature, c'est celle que le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde Kyenge a présidée en présence des vice-premiers ministres, ministre en charge de l'Intérieur Peter Kazadi et en charge de la Défense Jean-Pierre Bemba, ainsi que d'autres ministres sectoriels. Il a été question pour les chefs du gouvernement de présenter un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité. C'est la toute première réunion de sécurité que le chef du gouvernement a présidée 24 heures après la cérémonie de remise reprise des nouveaux membres de son gouvernement. Le plus au non-discours, a dit le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense.
situation sécuritaire en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Centrafrique, sera présentée à la plénière de ce vendredi 31 mars 2023 pour mettre un terme au conflit dans la région. Les présidents des parlements de la Conférence internationale du Grand Lac ont débattu de cette question à l'ouverture des travaux. Bien avant, Modeste Bahati a eu un tête-à-tête avec la présidente de l'Assemblée législative du Sud-Soudan. Nous sommes à Juba. Robert Ndaïti, ceci. Le rapport d'évaluation sur la diplomatie parlementaire pour la résolution des conflits dans la région africaine de Grand Lac a été présenté ce jeudi 30 mars 2023 à la conférence de présidents de parlement membres de la CIRGL. À l'ouverture de la conférence, trois discours d'orientation ont été prononcés par le secrétaire général du forum parlementaire, de la présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud et le président de l'Assemblée du Kenya. Tous proposent des solutions pour identifier les interventions stratégiques clés et envisager des perspectives d'avenir pour engager les forums parlementaires et les parlements de la région à approfondir la stratégie d'utilisation de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits dans la région de Grand Lac. Les présidents de parlement ont suivi la présentation suivie du débat sur les rapports de recherche sur la diplomatie parlementaire pour la résolution des conflits dans la région de Grand Lac. Dans cette présentation, une mise au point a été faite par le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo, sur une disposition qui prête la confusion dans le projet de résolution des conflits dans la région de Grand Lac. Dans notre cas, par exemple, ce n'est pas un conflit interne et qui oppose les Congolais entre eux. Mais à l'est de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les jeunes qui sont à la base du conflit. Le conflit nous est imposé, c'est un conflit, c'est le Rwanda qui agresse notre pays à travers ces marionnettes terroristes du M23. Et la conclusion à tirer serait laquelle? Ce serait que les parlementaires de la région, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, demandent au Rwanda de cesser tout soutien et de se retirer du territoire de la RDC. Bien avant l'ouverture de la conférence des présidents des parlements, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat congolais, a eu un tête-à-tête à l'hôtel Radisson de Djouba avec la présidente de l'Assemblée législative du Soudan du Sud, honorable Djema Nounou Koumba. Les deux personnalités ont passé au peigne fin la situation sécuritaire entre les deux pays, la RDC et le Soudan du Sud, deux pays qui partagent le même problème lié à la menace terroriste dans leurs frontières. En nouvelle à la chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont voté en séance subséquente le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Sud-Kivu et de l'Ituri, et ce pour une durée de 15 jours. 299 députés nationaux ont voté en faveur de cette prorogation. Les texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Lusaka en Zambie a offert son hospitalité au sommet des chefs d'État sur la démocratie. Plusieurs pays du monde ont partagé leurs expériences et la République démocratique du Congo a été présentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Doris Mozotamboué. La plénière virtuelle sur la démocratie s'est ouverte en Zambie à l'initiative du président américain et zambien. Les dirigeants africains y prononcent des discours sur les modèles des gouvernances participatives comme l'a présenté Hichilema, président zambien. Faudra-t-il des institutions fortes, des hommes forts ou les deux à la fois? Les réflexions donneront la lumière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Christophe Lutundula Palapenapala, qui représente la RDC, a partagé avec les participants la vision de la RDC sur la démocratie. Insistant sur ce mode de dévolution des pouvoirs du peuple par les peuples et pour les peuples, il a rappelé à l'assistance que tout Congolais répondant aux conditions d'âge selon l'institution postulée des casiers judiciaires et des capacités physiques prévues par la Constitution et la loi électorale est éligible. Les candidatures sont présentées soit par les partis et regroupements politiques, soit individuellement. Un partage d'expérience qui permet aux leaders du continent de se déterminer face à l'avenir et face au régime politique et adopté pour leurs peuples respectifs.
La passation du pouvoir dans plusieurs cabinets ministériels pour le gouvernement Sama II a été à l'ordre du jour. Il s'agit du ministère du genre, famille et enfants, le ministère de la santé, l'intégration régionale et francophonie et bien sûr le tourisme. Le tout dans ce condensé signé Richard Kalala. Des moments inoubliables pour le gouvernement Sama II. La cérémonie de passation des services a vécu dans plusieurs cabinets ministériels. Au ministère du genre, de la famille et de l'enfant, Gisèle Ndaya, ministre sortante, a passé le relais à l'actuelle patronne de ce ministère. Mireille Massangou-Bibi a reconnu le travail très remarquable de sa prédécesseur et promet à cet effet de travailler avec le même élan pour relever certains défis. D'autre part, le docteur Roger Kamba a pris officiellement le règne du ministère de la Santé après une cérémonie de remise reprise avec le désormais ministre honoraire de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. Au ministère de l'intégration régionale et de la francophonie, avec un sentiment de mission accomplie, Didier Manzenga a cédé son fauteuil à Antipas Mboussa Nyamouissi juste avant de prendre le commandement du ministère du Tourisme en remplacement de Moderun Timba Matondo, ministre sortant. Des poids lourds de la scène politique font leur entrée au gouvernement Sama II. L'opinion s'intéresse de près quant aux résultats attendus, résultats qui assument en deux mots et qui se résument en deux mots. Pour certains, le social et la sécurité, qu'en pense le citoyen lambda, y compris le citoyen avisé. Yvette Makuntima leur a tendu son micro, regardez. Des réformes au pas de course, la République démocratique du Congo s'engage à une course contre la montre pour concilier social et sécurité dans sa partie est. L'arrivée de l'économiste Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi au ministère de l'économie nationale serait-elle une lueur d'espoir pour tout un peuple? Il est vrai que les enjeux sont beaucoup trop grands. Alors je me dis, pour quelqu'un qui a une expérience en termes économiques, cela est un apport assez conséquent pour notre République et j'espère fortement que l'avenir donnera raison par rapport à cette nomination. La classe moyenne n'existe plus. On a la classe riche et la classe pauvre. Il fut un temps où il y avait quand même cette classe moyenne et si M. le vice-premier ministre peut rapporter, qu'on me ramener cette classe moyenne, cela aidera cette femme ménagère à avoir des personnes vers qui se tourner. S'il est possible d'accentuer le service de contrôle avec les inspecteurs de l'économie, question d'interdire à ces grossistes de venir asphyxier le petit peuple. Pourquoi? Parce que cette femme ménagère va recourir vers qui quand elle est bloquée à ce niveau? Ces fameux détaillants vont recourir vers qui lorsque les gros poissons viennent les asphyxier? Nous vivons tous comment le dollar est en train de monter. Je crois qu'avec la nouvelle équipe que vous m'attendez, cette équipe sera à la hauteur pour s'abuser d'abord le franc congolais face au dollar, et puis que le barrage alimentaire au niveau du marché puisse quand même baisser, parce que la population aujourd'hui est en train de souffrir, ça on ne peut pas se le cacher. Jean-Pierre Bemba Gombo, nouveau vice-premier ministre, en charge de la défense nationale et des anciens combattants, tous les yeux sont rivés sur ces meneurs de troupes. Nos valeurs fardessées méritent soutien et encouragement. Donc je crois que au jour d'aujourd'hui, notre frère qui est nommé à tête de ses ministères ne sera pas seul. On va l'accompagner pour que cette guerre puisse prendre fin. Et que l'armée aussi, comme le chef d'État n'a jamais cessé de dire et d'organiser l'armée sera disciplinée. En un, comme en plusieurs mots, la mission du gouvernement Sama II est axée sur les résultats. Les remises et reprises dans les différents ministères du gouvernement Sama II font la une des différents tabloïds parus ce jeudi à Kinshasa. La revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Interview.cd évoque la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour le contraire, l'ancien vice-président de la République est désormais l'une des figures les plus influentes du gouvernement congolais. Sa nomination intervient alors que le pays connaît un pic de tension avec son voisin, le Rwanda. 5RDC.com rapporte la joie exprimée par la population congolaise, civile et surtout les officiers supérieurs de l'armée à la nomination de Jean-Pierre Bemba. Cette frange de l'armée affirme selon le journal que le poste de ministre de la Défense méritait un homme charismatique, expérimenté en matière de sécurité et défense, un homme craint par les ennemis internes et externes de la RDC. Et Jean-Pierre Bemba remplit valablement ses critères. Pour sa part,
Opinioninfo.cd estime que la nomination de Jean-Pierre Bemba a des visées électoralistes au regard de son ancrage sociopolitique dans le Grand Équateur. 24newsagency.com traduit l'inquiétude qui a saisi le président rwandais Paul Kagame à l'annonce de la nomination de Jean-Pierre Bemba à la tête de la Défense nationale, une inquiétude qui se justifierait par la compétence de l'ancien chef de guerre en matière de défense et de sécurité. On termine cette réaction des journaux à la nomination de Jean-Pierre Bemba par l'agence congolaise de presse ACP, pour qui cette nomination inspire de l'espoir dans l'opinion publique pour l'éradication de l'insécurité qui règne depuis plusieurs années dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les désidératas de la reine Atelsat portés auprès de la tutelle par les syndicalistes de cette entreprise de médias publics, Patrick Mouyaya a accordé une audience à l'intersyndicale du réseau national de télécommunications par satellite, Gaëtan Magalano. Durant plus d'une heure, l'intersyndicat du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat a exposé au ministre de la Communication et Médias la situation qui est prévue au sein de ces réseaux stratégiques pour la RDC. Nous étions venus voir son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, dans le cadre du dialogue social sur les problèmes qui rongent l'entreprise Renatelsat. Pour arriver à résoudre ces problèmes, de réunions tripartites sont prévues dans un futur proche, sous la houlette du ministre Patrick Mouyaya. Nous avons eu de l'assurance auprès de son Excellence et en ce qui concerne notre statut juridique, il y a déjà un projet qui existe. Son Excellence va personnellement prendre ce projet en main pour que le Renatelsat puisse être doté d'un statut juridique propre. Pour le président de la délégation syndicale du Renatelsat, les agents et cadres sont invités à s'apaiser puisqu'il existe un plan de relance du Renatelsat. L'urbanisation des villes et agglomérations en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a échangé avec une délégation de l'Agence française de développement. L'AFD a manifesté sa volonté d'appuyer la formation des animateurs. Regardez. Cette rencontre a permis à l'Agence française de développement de confirmer la priorité qu'elle donne à l'aménagement du territoire et d'annoncer sa volonté d'accroître la coopération avec le ministère de l'aménagement du territoire. Les directeurs de l'Agence française de développement en Afrique, Christian Yoka et Safia Ibrahim Net, directrice de cette agence française en République démocratique du Congo, ont rehaussé de leur présence pour discuter des enjeux de l'urbanisation et de la formation des administrateurs urbains. Les parties ont confirmé leur collaboration sur plusieurs projets en cours d'étude en République démocratique du Congo, dont une ville intelligente et durable pilote à Kinshasa. Il est important de réfléchir ensemble aux priorités géographiques qui sont celles du gouvernement. Du gouvernement congolais, mais aussi aux besoins des populations. Et donc, c'est ce savoir-faire que nous sommes prêts à apporter. Alors, c'est déjà le cas, à travers plusieurs projets soutenus par l'Agence française de développement, par notre coopération, des projets également qui sont en instruction. Nous voulons continuer cette réflexion ensemble pour mieux affiner, en quelque sorte, la définition de nos projets. Le ministre d'État Guy Luando a salué la qualité des relations entre la France et la RDC. La RDC et l'Agence française de développement ont convenu de poursuivre leur collaboration pour des projets futurs offrant des opportunités pour le développement du pays et de la région. La 12e Assemblée générale annuelle des régulateurs des communicateurs de l'Afrique australe a ouvert ses portes au fleuve Congo, hôtel de Kinshasa. Ses travaux réunissent tous les présidents des autorités de régulation d'Afrique australe ont été lancés par le ministre des Pétantiques, Augustin Kibasa Maliba, Guy Matundu et Lyon Jatassa.
Ces régulateurs venus des pays de la SADC veulent développer une compréhension claire des avantages et des risques associés à l'intelligence artificielle dans les nouvelles technologies et souligner l'importance des perspectives politiques coordonnées. Le ministre de Pétintique a rappelé l'importance de cette assemblée. Nous sommes donc appelés, en tant que région de la SADC, à développer les politiques qui favorisent le développement socio-économique par le biais des télécommunications qui, aujourd'hui, est considéré comme le pilier de la croissance économique. Pour le patron de l'autorité des régulations congolaises, la rencontre de Kinshasa est enrichissante à plus d'un titre. La réunion qui va permettre que tout ce que nous avons fait comme travaux pendant un an sur toute une série de matières qui relèvent de la poste et des communications électroniques, que nous adoptions en fait les différentes décisions, recommandations, conclusions, réflexions que nous avons eues. Et ça permet aussi d'établir en fait un plan d'action de l'année et un plan d'action sur 5 ans de ce que nous allons faire pour développer les télécommunications, la poste, dans la région de l'Afrique australe. Parce que quand on est ensemble, on est mieux écouté, on a plus de poids. Donc il faut que nous en profitions pour considérablement améliorer notre secteur des NTIC. Le groupe culturel de l'Institut des musées nationaux a présenté une CNET dont le contenu appelle les Africains à s'approprier les nouvelles technologies dans cet environnement international changeant. Près d'1% de l'argent injecté par la diaspora en Afrique concerne les investissements. Selon une étude de la BAD, la diaspora n'investit que dans le social. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a brandi cet argument pour convaincre la diaspora congolaise de Dar es Salaam en Tanzanie à inverser cette tendance. Emmanuela Commissaire et Patrick Michel Mukui. Entre un exposé et une série de questions-réponses, le message est bien passé lors de cet échange. Il était question pour l'organe promoteur des investissements en RDC de convaincre cette frange de la diaspora de Dar es Salaam avec des éléments solides de leur importance dans le développement du pays à travers des investissements utiles. Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a mis à la disposition de ces Congolais des informations nécessaires pour les inciter à entreprendre dans leur pays d'origine. C'est 95,6 milliards d'argent que toute la diaspora africaine envoie en Afrique. Ce montant de 95,6 milliards envoyés en Afrique, il y a juste 0,5 ou 6%. J'étends à 1% qui va à l'investissement. Quel type d'investissement ? Et ça, c'est un auteur qui est en train de le dire, c'est dans le transport, donc les taxis et le bus, qui ne marchent pratiquement pas. Chaque fois que vous quittez, vous, votre pays, pour aller ailleurs, vous faites partie des 2 milliards que vous faites manquer à l'Afrique. Dans sa quête d'attraction des investissements directs étrangers, l'équipe de l'ANAPI s'est également rendue à Zanzibar, où elle a eu des échanges avec les acteurs du secteur privé tanzanien. Des opportunités d'affaires dans différents secteurs aux incitations, ces hommes d'affaires tanzaniens ont reçu toutes les informations capables de les orienter avec des investissements rentables en RDC. Après la carotte, G24 procède au bâton pour l'éradication du phénomène Kuluna. Dans le district de la Funa, les médiateurs ont mis la main sur un Kuluna récidiviste. L'honorable Jean-Marie Lukulasi a fait appel à la police qui lui a mis hors d'état de nuire. Charmant Lelo. Sac en bandoulière, visage cachant bien sa scélératesse, comme Kuluna, ce colosse est maître de scènes horribles lorsque sa bande affronte les autres. Il se livre à ce brigandage avec délectation et sape le travail des médiateurs mis en place à Kauka par G24. Ceux-ci n'ont pas hésité à le dénoncer. La police nationale appelée à la rescousse l'accueillit telle une mangue mûre. Son sort, c'est la justice qui en décidera. Très remonté par ce comportement qui contraste avec les valeurs qui transmet G24, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Masamba s'est montré intransigeant devant la foule des médiateurs venus l'écouter avec empressement. Eux ont de la chance et en sont conscients. Un sursis leur est accordé car ceux qui se sont absentés sont carrément radiés sur la liste des médiateurs.
et le président des G24 d'ajouter, il va désormais collaborer avec le général Kasongo, représenté par un colonel pour traquer tous ceux qui, comme ce Kuluna, prennent le plaisir à perpétuer le phénomène Kuluna à Kawuka. Le coordonnateur s'est affairé à prendre les photos et identités de ceux qui sont restés dans le groupe des médiateurs afin de réaliser la menace proférée par le président du G24. Beaucoup de réinsertion sociale, mais un peu de bâton aussi. Les membres de l'Union sacrée des nations Sud-Kivu font bloc pour donner un second mandat au chef de l'État. Un des cadres de cette plateforme, l'honorable Claude Nyamungabo, a harangué les foules et sensibilisé sur la population sur le processus électoral. Regardez. Des foules en liesse l'attendaient de pied ferme au bord du lac Kivu. Claude Nyamungabo Bazibue arrive dans la province du Sud Kivu pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement pour la reconduction de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême du pays. Je suis venu en fait encourager notre population à s'enrôler massivement pour lui permettre de s'élire au mois de décembre et dirigeant du pays. Claude Nyamungabo, cadre de l'Union sacrée pour la nation, a communié sur une longue distance avec la population décidée à accompagner le chef de l'État dans ses actions à impact visible. Ce notable du Sud qui vous sollicite une rallonge pour l'enrôlement des électeurs. Je constate qu'il y a un très grand engouement. Je crois que nous allons demander à la CENI de prolonger lorsque le délai sera atteint. Je constate que ma base a encore besoin de se faire enrôler. Il y a encore des personnes, des citoyens congolais, des citoyennes congolaises qui ne sont pas encore enrôlés et ils sont nombreux. Nous allons demander à la CENI de faire comme elle l'a fait dans les autres aires géographiques, c'est-à-dire ajouter quelques jours. Un contact physique avec ceux qui l'ont envoyé au Parlement pour les représenter a permis à l'élu de Kabaré de s'imprégner de problèmes auxquels font face les habitants de cette partie du pays. Ce, avant de visiter quelques ouvrages réhabilités et construits sur fonds propres. Le secrétaire général de l'UDPS a effectué une tournée de sensibilisation des femmes dans les quatre fédérations de Kinshasa sur le rôle qu'elles doivent désormais jouer aux prochaines élections. À cet effet, Augustin Kabuya a annoncé à l'assistance son soutien aux candidatures féminines aux prochaines élections à l'Imbikaï. Il a tenu lui-même à superviser l'opération de distribution des pannes, cadeaux, signé First Lady Denise Nyakeo Tshisekedi aux femmes de l'UDPS pour laquelle lui réservait les jours de la célébration du mois de défense des droits des femmes. Accompagné des responsables de la Ligue des femmes, le secrétaire général Augustin Kabuya a entamé une tournée dans les quatre fédérations de Kinshasa pour acheminer ses cadeaux auprès des vrais bénéficiaires. Lundi 27 mars, les femmes de l'UDPS Tiangou ont reçu leurs cadeaux au maître du numéro 1 de leur parti. Ici, Augustin Kabuya a exhorté l'assistance à œuvrer pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après, c'était le tour des femmes de Moamba d'être servies. Augustin Kabuya saisit l'occasion pour rappeler à ses interlocutrices le vœu de la première dame de voir un nombre important de femmes soutenues aux prochaines élections. Le mardi 28 mars, le gestionnaire au quotidien de l'IDPS a encouragé les femmes militantes de l'IDPS de la Fédération des Founa, dirigée par Pierre Zomba et de Lukunga, à se mobiliser massivement pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de cette année pour le parachèvement de sa vision pour la République démocratique du Congo. Comme dans d'autres fédérations, Augustin Kabuya a posé les mêmes gestes. Dans la soirée, d'autres mouvements associatifs affiliés à l'IDPS ont été aussi servis par le numéro 1 de l'IDPS. C'est le cas des visions Fatih de Jekobea et Gretz IDPS de Patrick Tchaba. La questeur du Sénat, Carole Aguito, s'est rendue à Bouta, un retour au bercail pour une plus grande mobilisation autour de l'enrôlement qui touche à sa fin. Son appel a été entendu. Edith Chalard. Près de 30 000 personnes se sont agglutinées à l'aéroport national des Égas à Bouta pour saluer l'arrivée de la digne représentante du Bas-Uélé, la sénatrice équestre du Sénat Carole Aguido. À sa sortie de l'aéroport, quelques pas de danse au milieu du pouvoir traditionnel, la sénatrice est ici à la maison.
elle vient mobiliser les troupes pour un enrôlement massif alors que la fin du processus est imminente. Elle-même s'étant acquittée de son devoir civique, elle en explique la portée et le sens à une foule très attentive. C'est cette carte qui représente le pouvoir du peuple. C'est avec cette carte que nous voterons le prochain dirigeant aux élections de décembre 2023. Pour nous, le choix à la présidentielle est sans équivoque. On a biso, aussi Topolio et biso, candidat à la présidentielle. Bon, et puis comment on a eu ? L'ordre donné et l'adhésion massive qui s'en est suivie confirment le leadership incontestable de Carole Aguito dans le Bas-Uélé, la Grande Orientale, et son leadership se sont penchés pour un second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en politique, une nouvelle adhésion à l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC, parti cher à l'honorable Placide Tshisompa, le docteur Eric Moudjene et toute sa base en font désormais partie. Une cérémonie qui a permis à l'autorité morale de l'ADPEC de sensibiliser la population sur la lutte contre l'insécurité. Jacques Méchy. Ils sont venus nombreux pour répondre au rendez-vous de l'honorable Placide Tshisompa Tshakatumba, autorité morale de l'ADPEC, Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. À l'espace Jetec, dans la commune de Maluku, la manifestation du jour avait un double objectif. D'abord, l'installation du comité stratégique des organes et du docteur Eric Moudjene Mombu, qui vient d'adhérer à l'ADPEC avec toute sa base. Et ensuite, la sensibilisation de militants sur la lutte contre l'insécurité et la dénonciation de personnes suspectes dans toute la commune de Maluku. L'autorité morale, Placide Tshisompa Tshakatumba, a également invité les différentes communautés dans la commune de Maluku à vivre dans l'amour. En présence de sa chère épouse Clotilde Tshisompa, du président national du parti Kennedy Mukendi, du secrétaire général Léonard Kaniki et de cadre de l'ADPEC, l'honorable Placide Tshisompa Tshakatumba a remis le drapeau du parti au nouveau adhérent docteur Eric Moudjene. Nous tenons à féliciter notre camarade Eric pour avoir choisi l'ADPEC comme son parti et nous invitons la population de Maluku, quand l'on sera venu, de voter utile en faveur d'Eric, docteur Eric et d'autres candidats députés nationaux que nous avons présentés ici à Maluku. Eric Moudjene a promis de donner les meilleurs de lui-même au bénéfice de l'ADPEC et du président de la République. Walungu dit oui à Norbert Basengezi Katitima qui a sensibilisé la population sur les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis plus de trois semaines que l'autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent ANCE effectue une mission de sensibilisation dans l'est de la RDC. Norbert Basengezi Katintima a été porté en triomphe. Aussitôt arrivé à Kaziba, ce pionnier de développement de cette chefferie du territoire de Walungu se dirige vers l'esplanade de la salle Tolefsen, où se remarque une forte mobilisation pour écouter celui qu'on appelle Mwaneka. Trois jours après, Mugogo, Bideka, Buruza et Burale tombe sous le charme du Mushamuka national Norbert Basengezi Katintima. Partout il est passé, il appelle la population à adhérer massivement dans son parti ANCE. C'est pour soutenir la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour un second mandat. Que tout le monde se fasse enrôler pour avoir sa carte d'électeur. Dans notre parti, nous avons pris la décision d'adhérer à l'Union sacrée de la nation. Et le président que nous allons accompagner, c'est Félix Tshisekedi. Le parti ANCE est un parti de l'espoir aligné utilement à l'Union sacrée, a-t-il renchéri. À cet effet, le vice-président honoraire de la CENI et expert en matière électorale a invité les habitants de ce coin à se faire enrôler afin d'être des électeurs. Sentiment de satisfaction pour les habitants qui s'engagent à se ranger derrière leur autorité morale qui soutient la vision du chef de l'État. À ce jour,
L'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANCE, a déjà gagné 25 sur les 26 provinces que compte la RDC. Le personnel féminin de l'OCC à l'école du numérique en milieu professionnel, une matinée scientifique clôturée, ouverte et clôturée par Christelle Moabilou, DGA de cette entreprise, en présence du ministre de tutelle Jean-Lucien Boussa, Jacques Tchibobouamich. Une matinée scientifique riche en contenu. À Béatrice Hôtel, les agents et cadres féminins de l'Office congolais de contrôle ont eu des échanges fructueux sur l'utilisation du numérique, la digitalisation dans la vie sociale et professionnelle. L'activité a été ouverte et clôturée par Christelle Moabilou, directeur général adjoint de l'OCC, en présence du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, du président du conseil d'administration, Fortuna Ndambo, du directeur général, Étienne Chimanga, et d'autres invités de marque. Le ministre des tutelles, Jean-Lucien Boussa, a encouragé les corps féminins de l'OCC à ne jamais se sous-estimer et à continuer à donner le meilleur de soi. Nous devons apprendre à apprécier les valeurs, les qualités des unes et des autres. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des défis à relever au niveau de l'OCC par rapport à la place de la femme. Je vais à mon tour, m'inspirant de la volonté et de la détermination du président de la République, faire en sorte que l'OCC soit l'exemple vivant de ses progrès. Durant plusieurs heures, le personnel féminin de l'OCC s'est abreuvé d'une importante gamme de connaissances, notamment sur les violences basées sur le genre face à l'éducation numérique, le numérique dans les laboratoires d'analyse et essais, le digital en milieu bancaire, dans les importations et l'éthique et déontologie professionnelle. Sur 5040 agents, l'Office congolais des contrôles emploie 1406 femmes, dont 53 au poste de commandement. Pour lier l'utile à l'agréable, la musique et les cocktails étaient au rendez-vous. Juste après ce journal, vous suivrez en intégralité la matinée scientifique organisée à l'attention du personnel féminin de l'OCC. Et cette nouvelle grotte mariale pour la paroisse Saint-Achille Kiwanuka, située dans le quartier Kingabwa sans fil dans la commune de Limété, ceci est un don de la fondation Godard Motemona. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom et de l'Esbel Banakine, a remis officiellement la grotte mariale construite sur fonds propres au père curé de Saint-Kiwanuka. Par ce geste, Godard Motemona a aidé les paroissiens de Saint-Kiwanuka à pratiquer dignement leur dévotion mariale. Répondre à l'appel de Dieu, c'est une grâce. Et j'ai toujours été présent, ce n'est pas la première fois. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, nous avons également réalisé la grotte mariale à l'église Saint-Amand de Mombele. Aujourd'hui, nous voilà pour l'église Saint-Achille Kiwanuka. C'est un lieu de recueillement. C'est une offrande spéciale que nous offrons à Dieu. Ce lieu va permettre aux frères et sœurs d'adresser leurs prières auprès par la Sainte Vierge Marie. Par la voix de Emmanuel Tembo, secrétaire de la paroisse, les fidèles n'avaient qu'un seul mot, merci, pour exprimer leur gratitude à la Fondation Godard Motemona. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous remercions la Fondation Godard Motemona. Cette messe de la cérémonie inaugurale ainsi que la bénédiction de la grotte était présidée par Monseigneur Édouard Kisunga, évêque auxiliaire de Kinshasa et représentant du cardinal Ambongo. Pour permettre aux fidèles de célébrer avec faste la cérémonie inaugurale de la nouvelle grotte, la Fondation Godard Motemona a remis des pagnes aux membres de CVB de cette paroisse.
Que ce message de félicitations de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Développement Rural, au nom de tous les agents et cadres de l'administration du développement rural et aux miens propres, j'ai l'honneur de vous féliciter pour votre reconduction à la tête du ministère du Développement Rural. Ma prière est que ce deuxième mandat à la tête de ce ministère soit celui de la poursuite des grandes réalisations en faveur des communautés vivant en milieu rural de la République démocratique du Congo, tel que voulu par la haute hiérarchie de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et Kenge, chef du gouvernement, que le Très-Haut vous accompagne et vous soutienne tout au long de ce nouveau mandat. Pekeyabo Nzibukira Elvis, secrétaire général. Et puis cet autre message de félicitations adressé à son Excellence Monsieur Julien Paluku Kaoundia, ministre de l'Industrie. Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie, au nom du conseil d'administration de la Direction générale des corridors de développement industriel DGCDI, en sigle et au mien, je vous présente mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que les vœux les plus sincères de réussite suite à votre reconduction à la tête du ministère de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur le ministre, votre maintien à la tête de ce ministère est sans doute le résultat d'une marque de confiance placée en vous par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et particulièrement par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mais aussi la preuve suffisante que de votre abnégation et votre détermination dans la volonté d'accomplir la vision du chef de l'État, celle d'industrialiser la République démocratique du Congo, mais aussi de placer cette dernière au rang des pays industrialisés. C'est d'ailleurs plus un message qui démontre le sens de méritocratie, d'innovation et du dynamisme prôné par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui nous rendons les hommages le plus déférents et nous témoignons d'un soutien indéfectible que l'Éternel Tout-Puissant vous accorde sagesse, intelligence et tout ce qui vous sera utile et nécessaire dans l'accomplissement de cette noble mission. Nous vous souhaitons un fructueux mandat. Nous vous prions de croire, Excellence Monsieur le Ministre, en l'expression de notre parfaite considération. Ce communiqué signé Roger Safari Bazizé, président du conseil d'administration. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kinkolé, dans la commune de Lancélé. Nous sommes à Kinshasa. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h. Bobo Samba. Très bon titre de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.